lève un peu tard. J'enchaîne direct sur un pétard qui fait que ma vie ne va pas vers les dollars. Que pourrait me rapporter ma guitare? Ma vie n'est qu'une utopie. Un monde tranquille, sans trop d'hypocrisie, où tout le monde a compris. Me donner à quelqu'un, c'est se faire un ami. Où sont les politiciens qui savent que j'existe? Ceux qui courraient dès demain nous mettre sur la bande. Puis j'insiste, et maintenant je veux voir la liste de tous indiens du front de libération utopiste qui va se mouiller pour les droits de l'enfant, pour que tout le monde ait droit à un appartement. Apparemment personne n'est prêt à aller de l'avant. C'est vrai que pour penser il faut avoir du temps. Le pouvoir, les dollars, l'exploitation, le marché noir, ça laisse très peu de temps pour ceux qui créent sur le trottoir. Plus d'espoir pour y croire, juste quelques cauchemars. Même plus droit à un rêve, juste à une vie illusoire. J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Et je pense que demain matin j'aurai du mal à me lever. Pourrions-nous avoir du temps pour savoir qui on est, pour s'occuper de nos enfants, connaître nos voisins de palier, pour que les fêtes du week-end puissent s'étendre à toute la semaine, pour que les connards du FN s'alimentent plus sur nos problèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour discuter avec l'ennemi, pour draguer une des caissières qui bosse au monoprix, pour faire du sport, pour boire un verre, s'occuper de la qualité de l'air, pour aller voir tout là-haut comment va notre univers. Je ne vis plus pour un système, non, qui va contre la nature humaine, qui nous fait croire que nos gènes ont opté pour le travail à la chaîne. Un monde où on nous enchaîne aux valeurs de la haine. Fais-lui croire que tu l'aimes, pour plus tard à la Toussaint lui porter des chrysanthèmes. Pourrions-nous avoir du temps pour croire en Dieu, pour nous rester enfants avant de devenir vieux? Pourrions-nous avoir un peu de vent dans nos cheveux? Ça paraît pas important, mais c'est très bon pour eux. Pourrions-nous avoir du temps pour admirer la nature, pour respirer autre chose que des hydrocarbures, pour ne plus voir l'Amazonie se transformer en tas de sucre, pour se faire une idée du présent, un soupçon du futur? Pourrions-nous avoir du temps pour apprendre à vivre ensemble, pour ne pas être chacun dans notre coin si à faire train, pour acheter ce qu'on a besoin, ou pour pouvoir vendre ce qui nous sert à rien et rend envieux le voisin? J'ai rien prévu pour demain, mais c'est déjà bien d'y penser. Et je pense que demain matin